la gogo mi vo mi no ma la gogo mi vo mi no Yesu mialasi adonolo yakle Yesu mialasi adonolo Abavola, one bemenzo, abladevie, anyagbayaso, miasi, adonolo. Abavola, one bemenzo, abladevie, anyagbayaso, miasi, adonolo. Ava vola wamba mazo abla devie yakla yase miasie adomo ao ava vola wamba mazo abla devie yakla yase miasie adomo yakla yase Mialasi adumolo ae adumolo yakla yesu mialasi adumolo adumolo Abavola, wambemezo, abladevie, ayakle Yesu, mialatie, adonwe. Abavola, wambemezo, abladevie, ayakle Yesu, mialasi, adonwe. Abavola, wambemezo. Abla de vie, aye, aye, clayas, aye, and yalasi, adunula, ever volat, abamazu, abla de vie, aye, clayasu, yalasi, adu. Après toi, Jésus, Seigneur Jésus. Nous mangerons ensemble avec toi aujourd'hui. Nous mangeons le pain de vie. Et une nouvelle force nous sera donnée. Nous allons prendre notre envol comme l'aigle. La puissance du Saint-Esprit nous a pénétré aujourd'hui. Elle a agi en nous aujourd'hui. Et tu nous as parlé dans ta parole. Le Yesu Christophe encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. Salanyan Kokbalo, Mayina de Kumela. Bede Kama Togo Yesu, Maou Bagba Fadier. Tekeli Maviola. Ao hunyanku nama ay azala manyabe divo mainalo jalanyanku otalo maina de kumala balakama togo yesu mau bagbe bodie teteli mafiala Ovu nyangu nama, aye, Ce que plusieurs ne désirent pas. Parce qu'elle est trop amère. Où est-il parti Dieu? Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné ainsi? Afin que moi et je sois dans cette grande douleur. Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Les douleurs te couvrent. Afin que tu ne sois pas une proie à Satan ou de Satan. Nous voyons deux personnages. Jacob. Cet homme cher devant Dieu. Job. Nous examinons les événements qui se sont produits dans leur vie. Et quelle compréhension avait-il de ces événements? Oui, à cause de ces événements. Mon frère, ma soeur, plusieurs, à cause des événements, disent: je laisse tomber cette église. Je ne vais plus prier. Je ne vais plus lire la Bible. La vie de sainteté, je m'en débarrasse. Et tout ce que je peux faire pour trouver quelque chose à manger aujourd'hui, je le ferai. Parce qu'il ne connaît pas le programme de Dieu sur sa vie. Nous voyons deux choses importantes. Dieu a fixé un temps où il amènera toutes choses à sa fin. Il a envoyé ses anges de Dieu. Il a dit: allez, examinez les hommes. Si vous voyez quelqu'un qui est affligé et qui gémit, à cause des abominations, des péchés, des choses souillées et qui se passent dans le monde, marquez-les d'un signe. Après cela, prenez ma coupe de colère, donnez-la à boire à tous les habitants de la terre. Même ceux qui portent mon nom, donnez-leur à boire cette coupe. Chacun doit la boire. Afin qu'ils s'enivrent. Et ils auront de mauvaises pensées. Et ils poseront de mauvais pas. Et ils feront des choses incompréhensibles dans le monde entier. Mais tous ceux qui auront été marqués d'un signe, quand ils vont la boire, elle se changera en bonheur pour eux. Eux, leurs pensées seront éclaircies. Eux apprendront à persévérer comme un chameau. Ils traverseront toutes choses sans jamais regarder derrière. Bien-aimés en Christ, le roi Asa a examiné ceci. Par cela, il commença par chercher Dieu. Il voyait que les choses étaient déjà détruites. Il demanda à Juda de chercher Dieu. Pendant 10 années, ils ont cherché sincèrement Dieu. Il y eut une guerre. Il ne pouvait pas vaincre durant cette guerre. Parce que cette guerre était au-dessus de ses moyens. Mais il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Il a remporté la victoire. En revenant, un prophète est venu à sa rencontre. Et lui a dit: parce que vous avez cherché l'Éternel, il s'est laissé trouver par vous. Et si vous continuez de le chercher, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Mon frère, ma soeur, nous avions vu que Asa est rentré précipitamment dans sa maison. Elle a dit à sa grand-mère qu'elle ne sera plus reine parce qu'elle avait violé la loi. Elle a érigé une idole. Elle l'enleva de son trône. Asa prit les idoles et les détruisit. Il les brûla au feu. Il rentra dans la maison de son père. Les choses consacrées que son père devait donner à Dieu et qu'il n'a pas fait, il les a fait sortir. Lui également, il a vu son père et a marché dans les empreintes laissées par son père. Il a fait également sortir les siennes. Il les apporta dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, la question est celle-ci: pendant combien d'années vas-tu chercher Dieu? Et si tu le cherches jusqu'à un certain niveau, vas-tu t'arrêter de le chercher? On avait dit à Asa: si tu continues de le chercher, il se fera trouver par toi. Mais si tu t'arrêtes, lui aussi, il ne se révélera plus à toi. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ, les Philistins, ces païens, avaient vaincu Israël pendant une guerre. Et ils ont pris l'arche de l'alliance et sont partis avec. Et l'ont déposé dans la maison de leur Dieu. Le lendemain matin, Dagon était démembré. Les habitants furent frappés d'hémorroïdes. Et plusieurs mouraient. Les Philistins crièrent en disant: renvoyez l'arche de l'alliance en Israël. D'où vous l'avez pris, renvoyez-la là-bas. Ainsi, ne garde pas chez toi ce qui est à autrui. Ne l'entends pas comme une simple parole. Je dis, si tu passes dans la rue et que tu trouves une somme d'argent par terre, elle n'est pas à toi. Ce n'est pas ton argent. Si tu le prends, va le déposer à la gendarmerie. Ou va la déposer à la radio. Oui. Dis-leur: à tel endroit j'ai trouvé cet argent. Alors ils vont l'annoncer sur une maison de radio. Et si quelqu'un sait qu'il a perdu son argent là-bas, il ira le chercher. Qu'il aille le chercher ou pas, ce n'est plus ton affaire. Ne leur donne pas ton nom, ni ton adresse, ni ton numéro de téléphone, ce n'est pas nécessaire. Et tu diras: Mais le pasteur Topa, il perd sa lucidité. Et je te dirai, ce n'est pas grave. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé en Christ. David est en train de réfléchir. Je bâtirai un temple pour l'Éternel. Parce qu'il voyait comment l'arche de l'alliance était déplacée, ainsi que tout ce qui se passait. Frères et sœurs, l'Éternel a dit, David a pensé comme moi. Ainsi ton nom demeurera à jamais. Jusqu'à ce jour. Cela fait combien d'années? Des milliers d'années. Et le nom de David subsiste toujours. Et ce n'est pas fini. Jésus-Christ, quand il reviendra la seconde fois, le trône sur lequel il viendra s'asseoir, on écrira dessus David. Mon frère, ma soeur, examine ces choses. David. Le roi David. Le Père a envoyé Jésus-Christ afin que le temple dont parlait David, qui est le sujet de réflexion de Dieu, qu'il vienne le bâtir. Ainsi donc Jésus est un bâtisseur. Le jour où tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, il se donne à toi, qui est la parole, afin que tu puisses bâtir la fondation. Il ne va pas la bâtir pour toi. C'est à toi de le faire. Si tu veux, fais-le. Si tu ne veux pas, ne le fais pas. Si tu le bâtis, on viendra poser le temple dessus pour toi. Nous allons atteindre tous ces niveaux après. Frères et sœurs, dans ceci, nous découvrons des choses qui sont très importantes. Là, nous avions découvert les lois naturelles. Mon frère, ma soeur, tout est disposé d'une certaine manière. Aucun n'existe sans but. Et quand nous sommes allés à la quête de ces 6 lois naturelles, et nous avons pris une, et nous travaillons avec d'abord, qui est la structure. Et nous avons vu que dans la structure, on forme la chose. Dans la structure, on voit les dimensions. Dans la structure, on voit sa solidité. En elle, on arrange toutes les particules du sol pour les arranger. Et elle agit. Là, nous voyons les micropores et les macropores. Mon frère, ma soeur, et nous avions découvert aussi quelque chose. Nous voyons et reconnaissons que Satan a observé Dieu pendant qu'il était en train de créer les choses. Et il créa l'homme. Frères et sœurs, pour cela nous avions vu, Satan a mis en place un projet. Quel était ce projet? Nous avions déjà parlé de plusieurs. Et celui que nous voyons maintenant, nous voyons 5. Il veut d'abord séparer l'homme et la terre de Dieu. Le second, nous avions vu que le diable, il n'a pas été créé pour qu'il soit Dieu. On l'avait créé en tant que serviteur. Alors lui, à son tour, ne peut créer quoi que ce soit de lui-même. Il ne peut être qu'un, disons, un intendant. Le troisième. Par cela, le diable s'est levé et se souleva afin de vaincre Dieu durant cette guerre et de devenir Dieu. Mais il a échoué pendant cette guerre. Le quatrième. Nous avons vu que l'homme, on l'a créé à l'image de Dieu. Par cela, il peut aussi créer comme Dieu. Le cinquième. Par cela, Satan a saisi cette occasion. Et a séduit l'homme afin de l'utiliser pour créer ces choses, pour créer un ciel et une terre. Et de retenir l'homme et de le dominer, lui et le monde. Il y a des choses cachées dans ces éléments. Et nous allons les découvrir après. Aujourd'hui, je vais ajouter 2 autres. Le 6e. Avant que Dieu ne créât les cieux et la terre, il savait que Satan allait se comporter ainsi. Pour cela, il avait établi d'avance que l'homme qu'il va créer, si Satan s'approche de lui et qu'il obéit à la voix de Satan, alors l'homme ne sera plus éternel. Tout comme il l'avait créé au départ. Il mourra. Le 7e. C'est pour cela que Dieu avait dit à Adam, que si tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu en manges le fruit, alors assurément tu mourras. Je le laisse ainsi à ce niveau. Je reviendrai là-dessus plus tard. Bien-aimé en Christ, la parole de Dieu nous révèle des choses très importantes. Romains nous l'a dit. Le chapitre 7. La loi. La loi n'est pas péché. Non. Mais le diable a saisi cette occasion. Et il a utilisé la loi pour détruire l'homme. Il a séduit l'homme. Et s'en est servi pour le faire mourir. Tout comme l'avions vu dans Romains 7, le chapitre 11. Et le dimanche dernier, nous avions vu quelque chose de spécial. Et nous sommes arrêtés sur un point. Les choses que nous avions vues nous ont révélé beaucoup de choses qui sont très importantes. Parce que quand le diable avait examiné les choses, à cause des pensées qu'il a, à cause de ce qu'il planifie de faire, il a déjà séduit l'homme. L'homme a mangé ce fruit déjà. Ainsi donc, l'homme ne pouvait plus vivre éternellement. Par cela, le diable a tenu un conseil avec ses serviteurs. Et ils ont eu des idées. Et ont choisi certains des anges déchus qui vont aller parmi les hommes et épouser les filles des hommes et pour engendrer les esprits de démons, des humains qui seront moitié hommes, moitié démons. Et c'est ce qui arriva. Nous avons vu et reconnu que Satan est en train de poser certains pas et que les enfants de Dieu n'arrivent pas à identifier rapidement. Et cela nous a amené à parler de la grossesse de la femme. Durant cette grossesse, tout ce qui se passe dans son ventre pendant ces 9 mois. Est-ce que tu te rappelles? Nous avions vu si le spermatozoïde de l'homme va et féconder l'ovule de la femme, de la trompe cela tombe dans l'utérus. Et cela produit deux choses. Lesquelles? Placenta clinca. Fœtus. Le placenta et le fœtus. Et force-toi de te rappeler de ces choses. Et dans le premier mois, parce que nous avons parlé des 3 premiers mois. Et quelles sont les transformations, l'évolution du fœtus? Nous avions vu que on voit les bras qui commencent par pousser. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? Je voudrais voir comment tu as pu capter cela. Sinon, nous allons nous arrêter sur ce point et rentrer à la maison. Il y a également le début de la formation du cerveau. Quoi encore? La colonne vertébrale aussi. Les poumons. Le cœur. Et nous avions vu que déjà à la fin du premier mois, on entend le battement du cœur. Dans le second mois, que se passe-t-il? Les paupières. Commence par les bouts de doigts, les doigts commencent par apparaître. Quoi encore? Les orteils également. C'est fini? Et le sexe aussi commence par se mettre en place. Et le troisième mois, qu'est-ce qui se passe? Nous avions vu le cas. Plusieurs organes sont déjà formés. Nous avions vu quoi aussi? Muscles. Les muscles également. Quoi aussi? Les gencives. Merci de m'avoir donné ce nom. Les gencives. Quoi encore? On a le cœur. La peau est transparente, commence à se former. Frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui. Parce que nous voyons que Satan examine les choses. Une des choses que l'enfant de Dieu doit savoir, c'est que Satan t'observe tous les jours. Tout ce que tu fais, il observe. Et c'est ce qu'il va utiliser. Et pour chercher à te détruire. Eta nyatro aide afia nyetodo nichoma. Retournons au dernier verset lu la dernière fois. Est-ce que tu te rappelles? Genèse chapitre 8. Ok, allons là-bas. Lisons les versets 20 et 21. Genèse chapitre 8, les versets 20 et 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. » Amen. 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 Mosefe agbalekbanto ta enyilia miagle chokpikpi blavelia vasede blavevo de keliaji tete no adi vosamleklu eye wo chola matrimachiwo plehe matrimachiwo pedeo na Yehowa hemeo le vosamleklu laji ke esi Yehowa se vevelilia la egblɔ le eƒe dzime bena Nyemaga fofi ade anyigba akpɔ le amegbetɔ ta o. Elabena ame ƒe dzime susu enye vɔ tso ɖevi me ke. Amen. 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 Frères et sœurs, nous avions vu quand les hommes se multipliaient sur la terre, la perversité aussi a pris de l'ampleur. Et l'Éternel voulait détruire la terre. Et il fit grâce à Noé. Et quand le déluge a noyé le monde entier, Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes étaient tous dans l'arche ainsi que les différentes espèces d'animaux. Et quand les eaux ont tari, Noé offrit un holocauste à Dieu. La Bible dit que quand Dieu sentit cette odeur agréable, il s'est dit dans son cœur, que je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Aujourd'hui, nous allons relancer à partir d'ici. Et après cela, nous allons revenir sur ce verset biblique. Parce qu'il y a encore d'autres choses que nous devons prendre ici. Ce que nous prenons aujourd'hui, c'est les pensées de l'homme. Sont des pensées mauvaises dès sa jeunesse ou son enfance. Dieu a dit cette parole ainsi, et pourquoi est-ce qu'il l'a prononcée ainsi? Quel péché a commis un enfant? Et quelle offense cet enfant a commis? Et comment vit-il cet enfant? L'Éternel dit que les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Bébé après développement dit le pouvoir. Continuons avec le développement du fœtus dans le ventre de sa mère. Et voyons quelque chose. Il y a deuxième trimestre. Nous allons entamer le second trimestre. Les 3 mois suivants. Nous allons là-bas. Parce que nous avons fini de parler des 3 premiers mois. L'enfant était dans le sein maternel et pendant 3 mois il s'est développé. Il entame son 4e mois. Et dans ce 4e mois, tout ça est développé. Et l'enfant se développe et les bras sont développés ainsi que les jambes. Parce qu'au début nous avons vu que c'est juste une petite pousse. Cela apparaît un tout petit peu. Maintenant, c'est carrément sorti. Et il va commencer par se mouvoir un tout petit peu. Dans le sein de sa mère. Seconde chose. En ce moment, nous marquons sexe à l'eau. Ainsi, le sexe féminin ou masculin se fait voir carrément. Troisième chose. S'il alors les cils qui sont sur les paupières et apparaissent aussi. Quatrième chose. Sourcils. Les sourcils. Les anglais, on a eyelashes. Voilà le mot en anglais pour les cils. Eyebrows. Et les sourcils. Et les sourcils là, la fille. Il a donné raison. Apparaissent aussi. Écoute-moi bien. Et après cela, parce que nous avions déjà vu que les doigts sont sortis déjà. Maintenant, dans le 4e mois, les ongles aussi apparaissent. Voilà le 4e mois. À la fin du 4e mois, l'enfant et les reins de l'enfant se mettent en place. Les 2 reins. Les 2 reins apparaissent. Oui. Et en ce moment-là, l'enfant commence par uriner. Et il urine dans son habitat. S'il urine ainsi, certaines femmes enceintes ressentent un besoin pressant d'uriner. Femme, n'est-ce pas? Et elle se hâte d'aller uriner. Parce qu'il y a l'urine de l'enfant également qui presse. Donc, elles ont du travail. Et en ce moment-là, toujours la fin du 4e mois. Que se passe-t-il? L'ouïe de l'enfant commence par se développer, il commence par entendre. Et il peut aussi, disons, manger. Manger, oui. Aglutir. Ou, aglutir. Oui. 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 Aglutir. L'enfant commence par aglutir. Si nous parlons de manger, c'est comme si il prend lui-même pour manger. Il peut engloutir des choses maintenant. C'est pas à chaque fois qu'on prend un morceau pour le mettre dans la bouche. Parce que tu peux avaler la salive également. Est-ce que tu l'as mis dans ta bouche d'abord? Oui, l'enfant commence par la déglutition. Les choses commencent par rentrer. Et l'os du cou se met aussi en place. Oui. Commence par se former. Il y en a formé à Jean. Oui. Et puis, si elle a. Et maintenant, il rentre dans le 5e mois de développement. Et en ce moment-là, l'enfant dort normalement et se réveille à son rythme. Il dort, il se réveille, il dort, il se réveille. Voilà comment ça se passe. Et c'est le 5e mois. Et l'enfant devient de plus en plus fort et solide, donc il commence par se mouvoir. S'il te plaît, je te rappelle ceci. Le diable étudie toutes ces choses. Moi aussi, je l'ai appris avant de le savoir. Oui. Oui. Par cela, le diable aussi étudie. Une question. Sais-tu que le diable apprend à connaître la Bible? Ah oui. Il étudie la Bible. Alors, chrétien, tu n'étudies pas la Bible. Le diable va t'avoir. Parce qu'il va utiliser la parole pour t'avoir. Parce qu'il va renverser le sens de la parole. Et pour t'avoir. Et tu vas penser observer la parole alors que c'est faux. Ok. Ayata. Nous sommes nous arrivés. Hein? L'enfant fait maintenant des mouvements. Oui. Et en ce temps-là, commence par sortir les poils. Et les cheveux et les poils sur la peau. Avant, cheveux. Ok. Cheveux fins. F-I-N-S. Des cheveux fins. Oui, cheveux fins. C'est ce qu'il avait avant au départ. Je vais faire un anticha. Et puis dans ton va à son. Maintenant de véritables poils et prennent la place de ces poils fins. Alors il est prêt à rentrer dans son 6e mois de développement. Et une fois dans le 6e mois, ce qui se passe, c'est votre développement très rapide. Et le développement du reste du cerveau est très rapide. Et en ce moment aussi, l'enfant garde les yeux fermés et il les ouvre après. Mais il reste quelque chose que j'avais laissé, que je vais dire avant d'aller au 6e mois. C'est que dans ce 5e mois, quelque chose se passe. Pendant qu'il se meut et ayant ces activités-là, il commence par sucer. Oui. Alors, je vais exagérer à quoi? Où est-ce que j'exagère? Hein? Il y a comment? C'est cela, n'est-ce pas? Je pensais que tu allais dire non. Et je te dirai. Quand tu étais né, quand je passais par là, je t'ai vu en train de sucer quelque chose. Oui. Et j'ai su que c'était ce que tu faisais dans le ventre de ta mère. Vois-tu, certains enfants, une fois nés, font ces choses. Est-ce que tu en as une fois vu? Dans le 5e mois, il a commencé à faire cela dans le ventre. Maintenant, dans le 6e mois, c'est voir développer rapidement là. Pendant que le cerveau se développe rapidement, maintenant l'enfant ferme les yeux et les ouvre après. Et les ferme à nouveau et les ouvre. Il les ferme et les ouvre. Il ferme et puis il ouvre. Qu'est-ce qu'il est en train de voir? C'est bon. Et en ce moment-là, il développe également ses empreintes digitales. Les empreintes digitales. Oui, tes empreintes digitales. Allons connaître la programme. Ou attends un nom approprié en EV. Hein? Ok. Ne si on te demande de signer un document par exemple, on te demande de poser ton empreinte digitale dessus. Frères et sœurs, depuis le premier jour où l'homme a été créé jusqu'à ce jour, personne n'a son empreinte digitale identique à un autre. Jamais on n'a trouvé deux empreintes digitales identiques. Des jumeaux peuvent sortir. Ils peuvent être de vrais jumeaux en toutes choses. Mais les empreintes digitales sont toujours différentes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Okay. a développé na Jeshima. Il développe ses empreintes digitales. Ah oui. Les valeurs violentes. Et le dernier, dans le 6e mois, c'est qu'il ne produit pas, il ne fait pas de bruit dans le ventre, non. Elle est complètement développée. Quoique ses poumons sont complètement développés. C'est le 6e mois. Petit attend à des c'est le développement du second trimestre, ces affaires. Ok. Fifia, maintenant, qu'est-ce que nous allons voir dans cela? Écoute-moi bien maintenant, s'il te plaît. Dans le 4e mois, nous avons vu que l'enfant commence par entendre des bruits, des sons. Le Satan avait là. Selon le programme de Satan, qu'est-ce qu'il a fait? L'enfant étant dans le ventre de sa mère, en ce moment-là, il commence par parler à l'enfant. Il y a point de Dieu. Tu peux vivre de telle manière. Tu peux faire ceci aussi. L'autre aussi, tu peux le faire. Et le bébé entend cela. Le bébé entend dans le sein. Déjà à partir du 4e mois, il entend. Et tout ce que vous dites dans la maison, il entend. Ainsi, quand cet enfant naît, ce que vous faisiez dans cette maison et que vous, les propos que vous tenez quand il était dans le ventre, il va vivre en fonction de cela. Écoute-moi bien. C'est pour cela que l'Éternel a dit à Moïse que les enfants d'Israël n'épousent pas d'autres personnes. Te souviens-tu de Ezra? Du temps d'Ezra et du temps de Néhémie. Comment ont-ils traité les Israélites qui avaient épousé d'autres femmes? On leur a demandé de renvoyer les enfants ainsi que qu'ils s'en aillent. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans ces enfants qu'ils vont manifester après. Maintenant, Genèse, le chapitre 6, le verset 5. Genèse, chapitre 6, le 5e verset. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Amen. Amen. Mosefe agbalegbanto ta adelia mian le kukui atanlia eye esi Yehowa kpobena amegbeto fe vodi va sogbole anyigbajila eye wo fe tamosusuo kple jimedidi onye vokdala. Amen. 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 Frères et sœurs, que se passe-t-il? Examine tout ceci. C'est vrai, Adam là. Il est vrai que Adam, quand il engendrait Caïn, Abel Caïn l'avait déjà tué. Et qu'il a engendré 7 après, il avait eu d'autres enfants, oui. La Bible a dit. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la naissance de Seth. Viens voir. Dans Genèse le chapitre 5, le verset 21. Nous avons tous déjà entendu parler d'Enoch, n'est-ce pas? Qui est Enoch? Il était important devant Dieu. Il avait donné tout son cœur à Dieu. Il était saint à tous égards. Alors Dieu n'a pas permis qu'il voie la corruption. Mais il a été enlevé pour le ciel. Il dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métusela. Enoch, après la naissance de Métusela, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des filles, des fils et des filles. Une question. Comment sera donc la maison d'Enoch? Cet homme pieux et qui servait Dieu. Celui qui avait constamment la présence du Saint-Esprit dans sa maison. Et les anges de Dieu venaient constamment dans cette maison. Comment sera-t-elle donc cette maison? Quelqu'un dit une bénédiction glorieuse. Et donc ses enfants. Quelqu'un dit qu'ils auront la crainte de Dieu. Un autre. Ok, c'est bon. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi est-ce que les fils d'Enoch on n'a plus parlé d'eux après? Parce qu'ils étaient tous corrompus. Les fils d'Enoch. Celui en qui était l'Esprit de Dieu. Celui qui a été enlevé pour le ciel. Une maison de gloire. Frères et sœurs. Il engendra Métusela. Ok. Vania, il dit. Continuons. Le verset 25. Et Métusela, âgé de 187 ans plus tôt, engendra les mecs. Métusela est vécu après la naissance de Lémec 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Frères et sœurs. Métusela. Le fils d'Enoch, lui aussi, il craignait Dieu. Il engendra Lémec. Il engendra aussi des fils et des filles. Les autres enfants alors. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'eux? Parce qu'ils étaient tous corrompus. Frères et sœurs, je te prie, examine bien ceci. Maintenant, le mec lui seul, il est passé dans les empreintes laissées par son père. Tout comme Métusela avait passé et dans les traces laissées par les. Enoch. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant: celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Frères et sœurs, Enoch engendra Métusela. Métusela dit Lamex. Métusela engendra Lémec. Lamex dit Noah. Et Lémec engendra Noé. Mais ce n'étaient pas ses fils nommés ici qui sont nés d'eux. Ils ont eu également d'autres enfants. Où sont-ils donc? Ses enfants n'étaient-ils pas là quand Noé fut né? Oui. Quand Noé prêchait la parole de Dieu pendant 120 ans, les fils d'Enoch n'étaient pas présents. N'entendaient-ils pas? Oui, ils étaient là. Et les fils de Métusela, oui, ils étaient là. Le reste des fils de Lémec ne sont pas là. Oui, ils étaient là. Pourquoi est-ce qu'aucun d'entre eux n'est pas parti vers leur frère Noé? Non. Parce que les anges de Satan les ont tous épousés et les ont possédés. Pour cette raison, tous les nouveau-nés, ils parlaient déjà aux nouveau-nés dans le ventre. Une fois nés, et ils vivent autrement. Tu dis Dieu, où est-il? Dieu n'existe pas. Laisse-moi. Je veux vivre comme je veux. Laisse-moi faire ce que je veux faire. Noé, il prêchait la parole de Dieu 120 ans durant. Certains de ses frères sont partis déféquer dans l'arche. Noé a vu et a nettoyé cela avec de l'eau. Ils lui dirent: Noé, mais tu deviens fou, tu n'es pas intelligent. Tu es en train de nous dire qu'il va pleuvoir. Depuis le jour de ta naissance, nous, nous sommes tes aînés. Nous sommes plus âgés que toi. Depuis le temps de nos aïeux jusqu'à notre génération, est-ce qu'il a une fois plu? En vérité, la Bible a dit qu'il ne pleuvait pas en ce temps-là. Jamais. Mais plutôt, il y avait des rosées qui tombaient sur les semences et les faisaient germer. Ils n'ont jamais vu la pluie tomber. Alors, pourquoi nous parles-tu d'une pluie qui va venir? Il va pleuvoir quand? Jusqu'à ce que toute la terre soit inondée. Mais Noé, tu n'es pas intelligent. Nous devons t'amener à Zébé. Noé, tu dois aller à Zébé. Et on va te faire des injections là-bas. Mais c'est quoi donc ceci? Voyez-moi son visage. Comment il tourne sa face. Noé, ça ne va plus. Et pourquoi? Avant que tous ses enfants soient nés, et à partir du 4e mois, on leur a dit ces paroles depuis le ventre. Qui épouses-tu? Qui as-tu épousé? Si tu t'es marié avant de connaître Christ, c'est autre chose. Mais tu es déjà en Christ et tu t'es marié. Alors, où tu veux marier? Observe bien les choses, mon frère, ma soeur. Ne t'amuse pas avec ces choses. Ce qu'on a dit à l'enfant, Et c'est ce qu'il fera après. Il l'a déjà enregistré en lui. Ainsi, l'Éternel a dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa naissance, dès sa jeunesse. Quand il avait déjà 4 mois dans le ventre. Voilà. C'est pour cela que je t'ai fait faire tout ce chemin. Afin que tu puisses bien comprendre. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau. Et ce n'est pas une petite chose qui se passe. Les gens viendront à l'église. On va prêcher l'évangile. Une fois à la maison, ils feront autre chose. Et pourquoi? Parce qu'on leur a dit déjà autre chose. Depuis le sein maternel, ce qu'ils ont enregistré en eux. C'est pour cela que tu dois comprendre que si tu ne fais pas l'effort de poser ta fondation, tu n'iras nulle part. Parce que celui que tu es, ce n'est pas une petite chose. Ton corps n'est pas une petite chose. La loi naturelle agit en lui. Tu ne pourras pas t'en sortir. Jamais. Tu assurément, tu vas obéir à ce qu'il te demande de faire. Mais si tu poses ta fondation, alors et quand la mauvaise semence, et il va cogner sa tête de la fondation et sa tête va être détruite. Et toi tu seras libéré. Tu vas ressentir que la chose vient. Parce que nous avions vu les hormones. Est-ce que tu te rappelles? Quand est-ce que les hormones sont produites dans l'enfant? Dans quel mois? Les hormones. Dans quel mois? Si tu ne le dis pas, je m'arrête ici. Et je vais prendre ma Bible. Ok, un passé. Tu as réussi. D'accord. Le premier mois. Donc, souviens-toi que je t'avais déjà parlé de l'hypothalamus. Je ne vais pas parler de cela aujourd'hui. Il y a des choses très importantes là-bas. Si Dieu nous le permet, nous allons revenir dessus s'il me le permet. Sais-tu le travail du pasteur? En vérité, c'est le travail d'un médecin. Le pasteur doit travailler sur le corps, l'esprit et l'âme. C'est pour cela que Paul, comme il n'a pas fait des études en médecine, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Et Luc. Parce que c'est très important. Connaître ces choses, c'est très important. Ce n'est pas facile du tout. Ok. Maintenant, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme est grande sur la terre. Parce que dès sa jeunesse, on a mis cela dans l'enfant. Une fois l'enfant né, en grandissant, non, il ne fait que faire autre chose. La chose est déjà fermée en lui. Ok. Je vais dire d'abord ceci. Sais-tu? quand le bébé était dans le sein de sa mère, et qu'on lui disait ces paroles, le bébé ne pouvait pas faire des recherches. Non. Voilà ce qu'on doit faire aussi. Le bébé ne pouvait pas comparer à ce qu'on est en train de lui dire à autre chose. Alors il ne fait qu'entendre ce qu'on lui dit. Et c'est ce qu'il accepte aussi. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, certaines fois Dieu me m'envoie de rentrer dans certains brousses et puis il me montre des choses. Et tu vas passer parmi les gens et tu vas découvrir des choses. C'est sans précédent. Certaines attitudes, certains états de choses, certains propos, certains comportements que tu vas découvrir. C'est depuis le sein maternel que l'enfant a appris ces choses. On lui a dit cela. On lui a dit cela. Il l'a pénétré. Et il a grandi avec. C'est pour cela que si tu connais Jésus, tu dois t'efforcer. Tu dois lutter. C'est sans précédent. Parce que tu es ton propre ennemi. Laisse l'adversité qui est de l'autre côté. Cela ne peut rien faire. Rien du tout. Tu es ton propre ennemi. Oui. Parce que tout est en toi. Tu l'as en toi. Écoute bien ces paroles. Tu l'as déjà en toi. Nous avions vu au départ que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les animaux, et sauvages, les arbres, les herbes, toutes choses. Et regarde à toi. Les fleurs que tu as dans ta maison te voient. Et toi tu penses qu'elles ne voient rien. Alors qu'elles t'examinent. Et te voilà. Ce que tu as pris en toi, c'est ce que tu... c'est simplement cela que tu manifestes. Mon frère, ma soeur, le temps est venu que tu te tournes sur ta personne et que tu travailles. Reviens à ta personne et travaille. L'Éternel a vu que la méchanceté de l'homme est grande. Je suis en train de dire que Enoch, mais tout cela, les mecs, Noé, n'étaient pas des moindres. Noé prêcha la parole de Dieu pendant 120 ans. Voilà un grand homme, un grand prédicateur de Dieu. Mais il n'a même pas sauvé une seule âme. Pas même une seule. C'est une grande affaire. Ce que Noé a fait, c'est quand on a conçu ses enfants, il leur disait, les enfants écoutaient depuis le sein maternel. Quand ils ont grandi, ils ont marché avec leur père. Voilà. C'est une grande affaire, mon frère, ma soeur. Mais j'ai trouvé un homme, je veux l'épouser. J'ai trouvé une femme, elle est belle. Oui, ce jeune homme est vrai. Est-ce vrai? Examine-le. Le pasteur n'a pas le droit de t'interdire et d'épouser qui que ce soit. Il n'a pas le droit de te faire un choix. Dans certains endroits, on leur dit des visions ou des prophéties. Voilà cet homme, Dieu te donne cette femme épousée. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Toi-même, examine la personne. Sinon, tu vas engendrer quelque chose dans ta maison. Tu vas engendrer quelque chose dans ta maison. Et tu l'amèneras à l'église. Mais il te regardera ainsi, fixement. Maman et papa. Oui. Ils n'ont pas de sens. Et pourquoi? Parce qu'une autre chose l'anime. S'il te plaît, est-ce que tu comprends ces paroles? Bien. Je peux continuer? N'est-il pas l'heure? Et l'Éternel a vu. Qu'est-ce qui se passe? Voilà et le programme du diable. C'est là le programme du diable. De changer tous les hommes. Par cela, je te l'avais déjà dit, que les anges qui ont été choisis pour faire ce travail, ce qui est rentré en eux n'était pas des moines. Ils ont acquis une certaine sagesse des hommes. Et ils ne vont pas mourir. Parce qu'ils sont des anges et qui ont pris l'apparence des êtres humains. Et si tu lis Jude, le dernier livre avant Apocalypse, partie du verset 6, on les a enchaînés et gardés dans les années. Aucun d'entre eux ne sortira. Parce que s'ils passent dans ce monde aujourd'hui, oui, ce serait sans précédent. Alors ceux qui ont péri sont ceux qu'ils ont engendrés. Ils ont eu un contact avec la chair. Tout comme nous l'avions déjà vu, l'homme vient d'une autre terre. La femme d'une autre terre. Quand ils se sont mariés, voilà deux types de terres qui se mettent ensemble. Et on produit quelqu'un. Et dont le sol est différent parce qu'on a mis les deux sols différents ensemble. Et on les appelle moitié homme, moitié démon. Le déluge les a anéantis eux. Parce qu'ils ont l'humanité, l'humain en eux. Frères et sœurs, ce que Dieu a vu expérimenter, c'est sans précédent. Mais je vais revenir à cela plus tard. Allons dans Psaume 53 et voyons quelque chose. Psaume 53. David a dit quelque chose. Lisez-nous cela. Le premier verset. Psaume 53, le premier verset. Au chef des chantres, suit la flûte, cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Amen. Amen. Okay. Salmo, tabla tonvo et ton lia. David fait nous fiam hana henola. Ne wajide nous blanui gbeme. Ok, t'en viens bon. Premier, attends un peu. David fait nous fiam ha. Namaka, na henola. Cantique de David au chef des chantres. Ce que je vais dire maintenant n'est pas en français. Ne wajide Nous avons besoin de hein? Nous blanouis. Que ce soit comme une complainte. Le français n'en a pas parlé. Que ce soit comme une complainte. David, en réfléchissant, frères et sœurs, et c'était de grands sujets de réflexion. Et il a atteint ce niveau. Et il réfléchissait comme l'Éternel. Et l'Éternel lui a révélé ces choses. Il y a une que je ne t'ai pas encore montrée. Parce que tu ne le verras pas aujourd'hui. Si Dieu nous fait grâce ensemble, et s'il me le permet, je te le dirai le dimanche à venir. Frères et sœurs, c'est sans précédent. Tu seras étonné. Que ce soit une complainte. Il dit Abunato glona leope jimebena. Mawade kemeli o. Owa nu gbegblo, ple nu nyonu o le nu tovo wowo me. Ame ade kemeli si wa nu nyue o. Amen. 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 Ma biose. Une question. Où David a-t-il trouvé ces paroles? Ceci, c'est ce qui est arrivé du temps de Noé. C'est ceci. C'est ce qu'il dit. Tous se sont insensés. Parce que les anges déçus les ont possédés. Et les ont épousés. Examine bien ta vie de couple. Observe bien la vie que tu mènes à la maison. Comment vivent tes enfants à la maison? Comment est-ce que les choses se passent? Qui rencontres-t-il? Toi-même, avec qui te retrouves-tu? Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. Parce qu'on t'a déjà dit ces choses d'être le sein maternel. Il n'y a qu'un seul chemin par lequel tu puisses triompher de cela. C'est de poser ta fondation. Si tu ne la poses pas, tu seras ainsi dans le temple. Et quand on va aller au ciel aujourd'hui, tu n'iras pas. Tu seras étonné. Tu n'iras jamais. Parce que c'est sans précédent. Frères et sœurs, arrivé à un moment, et ça m'a attristé. C'est comme si je ne devais plus sortir de ma chambre. De rester enfermé dans ma chambre. Et que personne ne me voit plus. C'est sans précédent. C'est sans précédent. David a dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ont commis des iniquités. Abomination également. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Du temps de Noé, on dit il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Les fils d'Enoch. Les fils d'Enoch. N'ont-ils pas reçu la parole de Dieu? Ils ont vu ce que Dieu avait fait dans la vie d'Enoch. Et Enoch disparut de sa chambre. Frères et sœurs, Enoch restait dans sa chambre 2 mois, 3 mois. En ce moment, Enoch était roi dans le monde. Il était le roi de tous. Certaines fois, ils venaient pour voir leur roi. Enoch ne sortait pas de sa chambre. Il restait là-bas jusqu'à repartir. Une fois, il est sorti. Et il leur a parlé. Donnez votre vie à l'Éternel. Ce problème. Faites ceci, faites cela, faites cela, et vous aurez la solution. Et ils le font et ils trouvent la solution. Et Enoch retourne dans sa chambre. Il ne sort pas. ils ne sont pas. Mais n'est-il pas un être humain? Et il ne désire plus rien dans ce monde. Frères et sœurs, il y a quoi d'agréable dans ce monde? Il y a quoi d'agréable dans ce monde? Les fêtes. Aller dans les boîtes de nuit et boire de l'alcool, l'adultère, la fornication, le vol. Et vous prenez plaisir à cela? Ah bon? Mais tu es détruit. Tu es détruit. Qu'y a-t-il? Il n'y a rien. Aucun de ses enfants. Aucun de ses enfants. Il avait eu beaucoup d'enfants. Des filles et des fils. Oh, mon frère, ma soeur, il n'y en a aucun. Dieu a révélé ceci à David. David n'était pas un petit. Non. C'est pour cela que David, certaines fois, il dormait dans des cavernes. Oui. Oui. Dans des grottes, dans des cavernes. Dans la brousse. Il reste là-bas, il dort. Qu'est-ce qui va le réjouir, David? Le verset 3 dit. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Et pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. C'est ce qui s'est passé, le voilà. Dieu du haut du ciel, il regarde la terre. Les fils d'Enoch, où sont-ils? Les fils de Métusela, où sont-ils? Les fils de Lémec, où sont-ils? Non. Afin de voir si quelqu'un d'entre eux est intelligent pour demander ou chercher Dieu. Aucun. Que faisaient-ils? Ils étaient dans la joie. Parce que la plus grande partie a épousé et les endéchus. Et ces endéchus ont eu des enfants, des filles. Et leurs filles ont épousé les hommes. Et c'est fini. C'est fini. C'est de cette manière que les églises sont aujourd'hui. Plusieurs églises. Frères et sœurs, il y avait la sainteté dans les églises avant. Aujourd'hui, les gens peuvent s'habiller n'importe comment, laisser voir leur sein, laisser voir le dos. Et voir des pantalons déchirés par endroits. Avant, si quelqu'un a ses vêtements déchirés, il ne va jamais le porter. Mais aujourd'hui, les vêtements déchirés, on les voit à la télé. Mon frère, ma soeur, et les chrétiens font la même chose. As-tu de ces vêtements? Sais-tu ce que tu t'es fait? Tu as déchiré ainsi tes potentialités. Tu as déchiré ta vision. Tu as tout détruit. Tu l'as anéanti pour ta personne. Quand tu as porté ce vêtement, tu as que tout m'appartenant soit détruit. C'est accompli pour toi dans le nom de Jésus. Pasteur Topa. Mais tu perds la raison, tu perds la raison, tu perds la raison, tu perds la raison. Ce n'est pas grave. Mon frère, ma soeur, voilà les choses. Et tu observes ce que fait le monde. C'est ce que tu fais. Oh. Il a pleuré sur Jérusalem. Dieu aussi pleure-t-il? Oui, Dieu pleure. Et les larmes sont sorties de ses yeux. C'est mon enfant que j'aime sincèrement qui vit de la sorte. Et les larmes coulent de ses yeux. Et verset 4. Tous se sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ok. On a révélé cela à Paul aussi. Romains chapitre 3. Allons là-bas. Je le lis ici. À partir du verset 10. Je vais le concasser et après nous allons le montrer. Est-ce que tu l'as trouvé? Romains chapitre 3. À partir du verset 10. Je peux le lire. Il dit: selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Paul envoyait ceci à l'église de Rome. C'est ce que Dieu avait vu du temps de Noé. Mais que se passe-t-il? Il continue. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Frères et sœurs, on leur a dit ces paroles depuis le sabbat. C'est la stratégie du diable. Et l'Éternel le confirme que depuis l'enfance, ils ont tous de mauvaises pensées. Ils avaient 4 mois quand on leur a parlé de tout cela. Verset 12. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Oui. Le verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Est-ce que tu vois? Le diable sait que on a créé l'homme pour qu'il soit comme Dieu. L'Éternel des armées s'est levé. Il a ouvert sa bouche que le sec paraisse et ça apparut. Que telle chose apparaisse aussi et l'autre aussi. Est-ce que c'est fatigue ou pas? L'Éternel l'a sorti de sa bouche. Pour cela, Satan sait que dans la bouche de l'homme, il y aura une puissance. Écoute bien. C'est pour cela qu'il est passé par le serpent pour séduire l'homme. Et le venin du serpent est rentré dans l'homme. Et quand l'homme va ouvrir sa bouche pour parler, et que ce sera un mélange de venin. Mon frère, ma soeur, leur gosier est un sépulcre ouvert. Comment se présente un sépulcre? Qu'est-ce qu'on voit dans un sépulcre? Le cadavre en décomposition, pourri. N'est-ce pas ce qu'on trouve dans le sépulcre? Cela veut dire que tes potentialités à toi, ce que tu dois devenir, tu vas les faire sortir par ta bouche premièrement. Mais comme dans ta bouche est comme un gosier et un sépulcre ouvert, tout est totalement détruit. Tout sera détruit pour toi. Le diable est rusé. C'est pour cela que depuis l'enfance, 4 mois dans le sein maternel, Il a introduit ces paroles en toi. Et tu t'en serviras pour te détruire. Viens voir. Ils se servent de leur langue pour tromper. Quand ils arrivent chez toi, ils te diront des paroles doucereuses. Alors que ils ont dans leur bouche le venin d'aspic. Et si tu acceptes cette parole, c'est que tu es détruit. Et c'est le même venin qui est dans ta bouche. C'est le même venin que tu as. Les choses sont détruites. Rien ne marche. Tout se détruit. Tes potentialités sont détruites. Dans ta maison, ça ne va pas. Mon frère, ma soeur, pose ta fondation. C'est dans cela que tu as ton espérance. Évoluons encore un peu et prions. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ce qui va leur donner la prospérité, ils ignorent cela. Parce qu'ils s'habillent en portant des vêtements déchirés. À la maison, sais-tu ce que tu vas faire? Si tu trouves dans ta maison des habits déchirés, brûle-les en même temps. Dis-lui aujourd'hui, j'ai dit à mon Dieu, que ces choses ne seront plus chez moi. Brûle-les. Enlève-les. Dis-lui, voici toute la création de l'Éternel. Regarde à ma personne. Pour cela, toi tu n'existeras plus, brûle-le. Ces habits et vêtements courts, les femmes portent et font voir et leurs jambes et leurs fesses. Brûle ces jupes-là. Est-ce que tu en as? Brûle cela. Enlève-les. Bientôt tu vas entendre dans la ville et de nouvelles villes qu'on appelle l'église. Et à cause des paroles du pasteur Topa, il ne se comporte plus bien. Ce n'est pas parce que Topa, c'est Topa. Et maintenant, civilisation va. Civilisation va. Il y a la civilisation maintenant. Et maintenant, on leur demande de se comporter comme des villageois. Parce qu'ils partagent avec sa villageoiserie. Tu vas passer par la brousse, ça va dans mon village. Et quand tu sors de la chambre, tu rentres dans la brousse. Je viens de là. Et je suis d'accord. On prend le portable. Sais-tu le temps que tu passes à fouiller dans ton portable? 7 heures de temps. Pratiquement 7 heures de temps. 7 heures de temps. 7 heures de temps. J'ai étudié tout cela. Oui. Les gens atteignent 8 heures par jour. Il y a combien d'heures par jour? 24. On soustrait les 7, il reste combien? 17. Ton temps de sommeil, 8 heures. 8 heures, 17 ans. Soustrait 8 de 17. 9 heures. 9 heures de temps. Il reste 9 heures. Tu prends combien de temps pour faire ta cuisine, préparer et manger? Tu prends combien de minutes pour faire ta toilette? Tu prends combien de temps pour t'habiller? Combien de temps travailles-tu? Et combien de temps passes-tu à étudier? On appelle cela une organisation. Une organisation. Voilà. Et tu ne sais pas comment t'organiser. Tu dis Dieu bénis-moi, bénis-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as oublié? Tu m'as oublié, je souffre. Parce que tu as utilisé ton temps pour, et tu l'as consacré à ton portable. Laisse-le. C'est un villageois, il n'a pas de portable. C'est pas grave. Il est l'heure. On va clôturer. On va rentrer à la maison. Yesu emakolo agbemo bunama mayima ugbo ba Yesu emakolo agbemo bunama mayima ugbo ba Yesu emakolo agbemo bunama mayima ugbo Yesu emakolo agbemo bunama mayima ugbo. Si je ne la ferme pas ainsi maintenant, hier nuit, quelque chose m'était arrivé. Et j'ai constaté que ce que je sentais, au même moment, je devais être dans le temple. Parce que c'est ma joie, c'est d'être dans le temple. Si on pouvait le permettre, on va continuer jusqu'à la nuit tombée. Et la parole ne tarira pas. Parce que la parole ne vient pas de moi, mais d'ailleurs. Quelqu'un parlait et je transmettais. Quelqu'un parlait et je transmettais. Est-ce que tu as compris? As-tu compris? Dis que tu n'as pas compris. Et je dirai que cela soit ainsi. Je vais clôturer. Quand on va revenir, je vais relancer à partir d'ici. Mon frère, ma soeur, c'est sans précédent. J'y ai longuement réfléchi. En vérité, et demeurer encore dans ce monde, je n'en voulais plus. Oui. Et quand on m'a pris la dernière fois, te rappelles-tu de ce jour? Si j'étais parti, ne serait-il pas mieux? Mais non. On m'a dit que j'ai encore du travail à faire. 200 pays. Je dois aller dans 200 pays. Ça va. Alors c'est bon. Tu me verras. Nous allons travailler. Mon frère, ma soeur. Pose ta fondation à la maison. Qu'est-ce que le roi ça a fait? Il a fait sortir tout ce qui est mauvais de sa maison. Aujourd'hui, une fois que tu seras à la maison, tout ce qui est mauvais, les bouteilles d'alcool, tu en as à la maison. Oui, là où j'ai envoyé mon doigt, tu l'as dans ta maison. Les bouteilles d'alcool, tu en as chez toi. Oui. Fais-les sortir. Et brise-les, détruis-les. Brise ces bouteilles. Mon frère, ma soeur, un certain temps révolu. Parce que Il restait encore 10 minutes pour que Trump dans le feu vert. 10, 9, on a commencé par compter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oui, qui est pas ce banc. Oui. Parce que je n'ai pas encore fini mon travail. Alors laissons-le de côté. Frères et sœurs, tout était prêt. Tout était prêt. Tout est prêt. Nouvelle vie. Nouvelle vie. Alors travaillons et vite et vite. Mets-toi debout maintenant. Entre prière et offre ton corps à sacrifice. Offre ton corps à sacrifice. Tout ce qui est dans ce corps, offre-le en sacrifice. Détruis-le, anéantis-le, enlève-le dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle chose pénètre ta vie. Oh, à toute fondation là, tu poseras la fondation. Une nouvelle chose rentre dans ta vie. Car toutes les choses anciennes passeront. Toutes les choses seront renouvelées. Une nouvelle chose se passe. Une nouvelle chose se passe. Les abîmes sont dans la vie. Satan est en colère. Il se débat dans les abîmes. Mais il ne peut rien faire. Nouvelle vie. Dieu te couvre. 6 000 tomberont à tes pieds et 10 000 à ta droite. Dans le nom de Jésus. Alors dis-le. Yes. Les choses sortent de plusieurs. Il y a un serpent qui est sorti de quelqu'un tout à l'heure. Il y a un autre là-bas. Il y a l'esprit de tortue qui sort de toi. Il y a un autre là-bas. L'esprit de léopard est sorti de toi aujourd'hui. Il y a un autre là-bas. Voici l'esprit de singe. Les vies qui sortent de toi maintenant. Ces esprits t'ont poussé d'être trop. Ils te trompent. Quelque chose se passe dans cette maison. Quelque chose se passe à nouvelle vie. Ces esprits courent. Ces esprits courent. Dans le nom de Jésus-Christ, quelque chose coule de toi là-bas. Aujourd'hui est ton jour de salut. La chose est sortie de toi. C'est elle qui était en toi. C'est elle qui t'a détruit. Il y a un autre là-bas. Il y a quelque chose dans ton cœur. Si tu as de bonnes idées et il sème la confusion avec de mauvaises pensées, cela sort de toi. À la sorte de toi, aujourd'hui, les esprits fuient, l'Éternel se lève, et ses ennemis sont dispersés. Aujourd'hui est le jour, aujourd'hui est ce jour, aujourd'hui, on a décapité cet esprit, on les a tous détruits, on les a écrasés. La puissance du dragon est détruite. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a notre femme là-bas. Tu perds du sang. Mais ce n'est pas. Il y a quelque chose dans le sang. Ce qui te détruit, c'est que ce sang, il coule et sort. Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, tu seras purifié. On va te renouveler. On va te renouveler. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un autre là-bas. On a perforé tes intestins. Tout à l'heure, on t'a donné un nouveau colon. On l'a mis dans ton ventre. On a enlevé l'ancien. Le miracle s'opère à toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un autre son foi est complètement endommagé. Et tu sais que bientôt tu vas mourir. On a fait ablation de l'ancien foie et on te donne un nouveau foie. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, le miracle s'opère dans ta vie. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Et chacun reçoit pour sa part. Aujourd'hui, l'esprit qui t'a lié, les liens sont coupés. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu marcheras comme un héros et rentreras à la maison. Tous les esprits qui sont dans ta maison, que tous sont fuis par la fenêtre. Avant que tu n'entres dans ta chambre aujourd'hui, aussitôt, parce que les choses qui sont dans ta chambre sont leur point de contact. Alors fais les sorties et brûle leur feu, détruis les doutes dans le nom de Jésus. Les mauvaises les esprits d'adultère, fais les sorties dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui et ce jour, que chacun lève ses mains maintenant. Ancien à savon na oh ben macho nye no dila ancien à savon na dans le nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, nous offrons nos corps en sacrifice à notre Dieu le Tout-Puissant, afin que les œuvres des lois naturelles ne se déroulent plus, car nous posons la fondation sur elle. Aujourd'hui, un certain changement s'est opéré dans nos vies. Une nouvelle création est opérée dans notre vie. Et tout ce que Satan planifié est anéanti. L'abîme est dans le tumulte, parce que il a envoyé ses agents. Ses agents qu'il a envoyés. Aujourd'hui, ils sont tous dispersés. Ils sont tous dispersés. Ils sont tous détruits. Ils sont tous détruits. Dans le nom de Jésus. Satan, sa tête dans sa main. Lui, il en sera ainsi. Ah, il ne s'en sortira jamais. Satan, il n'y arrivera jamais. Satan, il n'arrivera pas. Satan, il n'arrivera pas. À partir d'aujourd'hui, les puissants de Dieu rentrés dans les enfants de Dieu. Ils ont pris leur vol comme l'aigle. Ils sont rentrés à la maison. Les miracles s'est opéré dans le lieu. Ils sont rentrés dans le lieu de travail. Les miracles s'est opéré dans le lieu de travail. Ils sont rentrés au marché. Les miracles s'est opéré là-bas. Dans leurs écoles, les miracles s'est opéré là-bas. Tout esprit qui a rencontré les enfants de Dieu est détruit. Les enfants de Dieu tiendront pour Dieu. Seigneur, ta gloire reposera sur tes enfants. Les cieux le verront et en parleront. Les nuées alléluia chanteront alléluia. Les étoiles alléluia chanteront alléluia. Car la gloire de l'Éternel est descendue et elle agit dans la vie de l'homme. Notre Dieu, merci à toi, car ta parole est accomplie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous si ignora, ella nos ignora, ay cafo mao sena, ya ya lo, ella nos ignora. Alléluia, ta faux mao, c'est là, et là, Seigneur. Alléluia. Hey, non, c'est il donne. Hey, allô. Hey, non, c'est donne. Alléluia. Oh, ah, c'est dans ceci, la gloire de Dieu se répandra sur les enfants de Dieu. Elle marchera avec les enfants de Dieu. Partout où ils iront, toute la création le verra et louera le nom de l'Éternel. C'est accompli dans ta vie. Cela réussit dans ta vie. À partir de maintenant, tu es devenu une nouvelle création dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Remercie Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un dit, tâche. Tout comme nous pas cabasser. Et hâte-toi de poser la fondation. Et l'Éternel te fera grâce. Amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce. Amen.